moment, nous organisons ces ateliers dans les différents pays. D'abord, les pays du Sahel, l'Algérie, le Tchad, le Burkina Faso, le Nigeria, le Niger. Et cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui reçoit l'atelier. Donc, nous avons demandé l'autorisation à nos autorités qui avaient été représentées ici ce matin pour travailler sur ce thème. Donc, le représentant de la Côte d'Ivoire, le coordinateur national, est venu, il a fait un discours où il a remercié le président de la République qui nous a autorisé à faire cet atelier important. C'est vraiment un fléau qui peut aller toucher au tissu social. Il essaye de déchirer ce tissu social et de semer toute chose qui n'apporte pas de bien, qui apporte du mal. Et tout ça, ça n'a rien à voir avec la tradition prophétique, ça n'a rien à voir avec le vrai islam, l'islam authentique, qui nous a appris dans le Coran de dire aux gens du bien. Le Coran dit « dites du bien ». Il faut dire du bien aux gens, et c'est pour cela qu'on essaie à travers cet atelier de voir les vraies causes qui sèment la haine dans nos sociétés. On essaie de contrer ce discours de haine qui vraiment pose un problème dans tout le monde entier. Il ne faut pas oublier que beaucoup de génocides ont commencé par cette culture, par ce fléau, par ce discours de la haine. Et on va essayer de conjuguer nos efforts et d'essayer aussi de s'imprégner de nos expériences. On a une très bonne expérience en Algérie qui a vécu une guerre civile. Pendant des années, on a perdu 200 000 personnes. Ici, au Côte d'Ivoire, il y a aussi une réconciliation. Il y a une mallette éducative qui est très intéressante. Et au niveau de cet atelier, on va essayer de voir qu'est-ce qu'a fait la Côte d'Ivoire dans ses efforts pour parvenir à être un pays stable, un pays prospère et un pays qui fait connaître aux autres comment vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est un but que les Africains, tous les Africains, doivent aller vers lui. Il faut retenir que tout ce qui concerne le vivre ensemble, l'acceptation de l'autre, et surtout éviter que nos jeunes ne se mettent dans l'extrémisme violent sur des objectifs qui ne sont pas même précisés. Donc nous voulons, au terme de cet atelier, que nos peuples, toute la région, pas la Côte d'Ivoire seulement, que nos jeunes se mettent ensemble et qu'ils acceptent l'autre et qu'ils ne se donnent pas aux mauvaises idées qui sont véhiculées et par rapport à l'extrême violent, au radicalisme, en somme au terrorisme. L'appel que je lance au sortir de cet atelier, c'est que nous aurions entendu que les jeunes, au lieu de se laisser entraîner par « ils ont dit », qu'ils soient à l'écoute de la religion, de tout ce qui nous enseigne à faire du vivre ensemble un levier pour pouvoir sécuriser le développement de nos États.